Hola, ¿qué tal? Sí. Tomaria. Tomás. Y Mario. On se retrouve sur YouTube pour notre première vidéo. Vidéo. FAQ. FAQ. Ah, FAQ. Fort en question. Pardon. Ok. Attends, avant qu'on dise que je ne parle pas de combien, il y aura des. Il y aura sûrement des sous-titres. Parce que mon accent. Ça va. J'y vais, ça y est. Bon. Ok, on vous a fait une story Instagram pour vous demander des petites questions. Parce que quand on fait des vidéos sur TikTok, on a l'habitude de voir les mêmes questions qui apparaissent, et que ce soit sur les lives ou sur les vidéos. Du coup, on s'est dit, on va faire une FAQ comme ça. Tout le monde est au courant. Ok. As-tu un mot à dire avant de commencer la première question? Ah, qu'est-ce que tu. Si tu veux dire quelque chose? Merci beaucoup. C'est vrai, parce que ça fait pas longtemps qu'on a commencé et on est arrivé déjà à 100 000 presque sur TikTok. Et ça fait que tout, c'est beaucoup, du coup. Maria. Et Thomas. Maria. Et Thomas. Maria. Et Thomas. Voilà. Oui, c'est bon. Et moi j'ai encore 22 ans et je vais sur 23 en novembre. Donc, je suis né le 11 novembre 1999. Moi, le 1er du jour 2000. Tu fais mon Erasmus en France. Et Erasmus, c'est que j'ai fait mes études en Espagne, j'ai fait la licence pour devenir professeur des écoles. Du coup, en Espagne, il l'a fait en espagnol. Et ici, tu l'as fait en français. Parce que j'ai pu améliorer mon niveau de français. Très bien. Et tu parles déjà très bien français. Hein. Combien de temps? 6 mois déjà, tu savais parler français. Mais encore, j'y galère un petit peu. Tu sais pas que. Bon, ça va venir. Le français, c'est très dur. Ouais. Français, je crois que c'est l'une des langues les plus compliquées niveau grammaire au monde. Déjà, tu sais parler, c'est... après, ça sera l'écriture. À force d'écouter. Ah, expression française. Expression française. Être haut comme trois pompes. Mais non. Petit à petit. Ah, petit à petit, l'oiseau fait sonner. Alors, comment on s'est rencontrés? T'expliques? Parce qu'il fait mon Erasmus. Déjà, il y a l'Erasmus en France. Et dans la même ville. Dans la même ville que moi. Que toi. Du coup. On s'est rencontrés, on a parlé. Au début, c'était un peu compliqué en vrai. On avait beau. Premier date, il faut savoir pour l'anecdote, premier date, elle avait peur de me voir toute seule. Elle est venue avec deux potes à elle. Deux potes espagnols. Deux potes espagnols. Du coup, c'était panique à voir. En plus, ils ne savaient pas trop parler. Toi, tu parlais pas du tout. Du coup, je parlais avec eux. Et. Non, Google Traduction. C'est vrai qu'un mois, après, on s'est vu tout seul. Un mois après de ça. Parce que j'y avais peur. Et t'étais un peu gênée. Parce que j'y croyais. Franchement, excusez-moi. J'y croyais qu'après de ça, tu me dis au revoir. Parce que j'y parlais pas trop. Mais c'est normal, j'avais peur. Là, pour t'aider, t'apprendre à parler mieux. Merci. Bien sûr. Parce que quand je suis arrivée, tu savais seulement dire bonjour, comment tu t'appelles, quel âge tu as. Maintenant, j'arrive à parler. Pas presque parfait, mais j'y comprends presque tout. J'y peux parler dans toute la situation. T'as appris beaucoup. Donc le premier point, c'est la langue. La langue. L'apprentissage de la langue. Après la fête. Non. Il faut savoir qu'en Erasmus, vous travaillez pas beaucoup, vous voyagez énormément. J'ai voyagé beaucoup. Tous les week-ends, j'ai fait des voyages. Moi, ça
Donc le deuxième point, voyager. Et est-ce qu'il y a un troisième point? J'irai rencontrer des gens formidables. Il n'y a pas que moi, bien sûr. Et voilà, du coup. Et après, aussi, grâce à Erasmus, j'ai connu un petit peu mieux la gastronomie française, la culture, Paris, d'ailleurs. Pour moi, je pense que tout le monde doit aller faire. S'il y a l'opportunité. Alors moi, je suis derrière. Maria fait Erasmus à Amiens. Du coup, nous sommes à Amiens. Mais en Espagne, je suis de Granada. Andalucía, Andalucía. Je vais retourner. 40 degrés. Bon, ça va aller. Pas d'actualité. Oui, pas maintenant. Ça fait trop tôt. Ça fait que 7 mois qu'on est ensemble. Il faut faire beaucoup de choses. Des études, il faut être stable. C'est ça. Voilà, voilà. Après un mieux la langue. En vrai, vous êtes curieux. Du coup, les projets, je pense qu'il y en a pas mal. Hein. Enfin. On a commencé en voulant. Ouais, il y a deux mois. En voulant faire rire les gens. Et aussi montrer cette différence de culture et de langue. Et très rapidement, on a vu que. Vous êtes incroyable. Que c'est monté, que vous avez kiffé le concept. Exactement. Du coup, voilà, des projets, c'est sûr qu'il y en a qui vont découler. Les projets, c'est de faire contenu. Plus original. Plus sympa. Plus simple. C'est ça. Petit à petit, on va avoir des nouveaux concepts, des nouvelles vidéos. Et puis aussi faire des contenus sur les autres plateformes. Parce qu'on est beaucoup axé sur TikTok. Instagram, ça commence à venir. Puis après, il faudrait voilà, chercher YouTube. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On est ouvert à tout. Du coup, projet de vie, personnellement, avoir une vie stable, avoir un toit, avoir de quoi vivre convenablement et être à l'aise financièrement. Et puis surtout, voyager, parce que j'aime tant voyager. Je pense que tu rejoins ce point de vue aussi. C'est pareil. Ouais. Mais j'ai un photo. Si tout va bien, j'aimerais avoir quelque chose. Quelque chose propre. Bêtement, une marque. Qui soit que à toi. Ta marque à toi. Et gérer ça. Bon, je vais partager avec toi. Ah, je vais partager. J'espère bien. On verra. T'es beau, oui. Non. Ça, c'est des questions qui reviennent tout le monde. Est-ce que Maria parle français? Si vous regardez les vidéos, vous savez qu'elle parle français. Pas parfaitement. Pas parfait. J'ai mes débuts. Je t'avoue très bien. Avec mon accent espagnol. C'est bien, c'est mieux. Thomas, tu préfères ton père ou ta mère? Ah, c'est pas le truc des questions aussi. C'est mon pays natal et un pays, que j'aime bien. Du coup, si tu dois faire un choix. Attends, je m'explique. Pour la vie, pour le travail et tout ça, la France, parce que le salaire, c'est mieux qu'en Espagne. Mais après, pour les vacances, la météo, tout ça, Espagne. Donc, c'est moins cher. Donc idéalement, il faudrait que tu travailles en France et que tu aies une maison secondaire pour les vacances en Espagne. Parfait. On a trouvé la solution. Je pense que je rejoins un peu ton point de vue. La France pourrait habiter parce qu'y travailler. Parce que voilà. On gagne un petit peu plus qu'en Espagne, même si la vie est un petit peu plus chère. Mais enfin, au niveau du travail, je pense que c'est mieux.
on est plus aidé en France qu'en Espagne. Ouais, c'est... Et par contre, ouais, l'Espagne dans les vacances. Même s'il y a de très beaux paysages en France, hein. Très belles villes en France. Je remets pas ça en cause. Mais l'Espagne, voilà. Mon monde. Bah, vas-y, commence. Les femmes d'abord. Non, toi d'abord. Allez, commence-toi. Pourquoi ? Parce que tu commences. Ok. Du coup, moi, je suis enseignant d'activité physique adaptée. Pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, on propose des activités physiques, du sport, entre guillemets, à des personnes déficientes qui ne peuvent pas pratiquer des activités physiques normales et qui ont ce besoin que la pratique soit adaptée pour qu'ils puissent, du coup, pratiquer un sport. Dans une notion de bien-être, de bienveillance, accompagner la personne vers un projet de vie qui lui tient à cœur. Et du coup, voilà, pour retrouver des capacités, des qualités physiques, tout ce charme. Du coup, j'ai fait une licence TAPS, parcours APA, et un master ingénierie de la santé. Voilà pour moi. Très bien. Et moi, j'ai fait pour devenir professeur des écoles en Espagne, pour devenir professeur de l'école de français. Mais si j'ai resté en France, j'aimerais faire un master de espagnol pour devenir professeur du lycée au collège. Espagnol. Espagnol. Allez. Un poco espagnol. Andalucía. Para viajar. Para viajar. Y sabe mantener una discusión. Puedo mantener una discusión. ¿Tú puedes darme una cerveza, por favor? Sí. A cuenta, por favor. Je parle un petit peu espagnol. Bien. Ça va. Mieux qu'il y a. Oui. Mieux qu'il y a 6 mois. Ça va venir. Sí. Ça va venir. Heureuse. Ouais. J'espère. Bah écoutez, quand on sera vieux, moi je me vois comment je me vois bien au bord de la plage, à rien faire. Avec mon petit cocktail tous les jours. Ma petite bande d'amis, faire des barres, profiter de la vie. TikTok. Puis avec TikTok, ouais. Après, je sais pas, quand t'es vieux, je sais pas. Bon, être et voyager, bien sûr. Voyager. Profiter de la famille. Voilà. Toi, quand tu seras vieille, tu te vois comment? En vrai, je sais pas si c'est à la plage ou à la montagne. Parce que j'aime bien la nature. Avec beaucoup d'animaux. D'animaux de la ferme. Comme ta maman. Des moutons. Des moutons, de la vache, des chevaux. Des chevaux. Beaucoup d'animaux. Ok. Avec ma famille et en train de voyager. Je pense qu'on a fait le tour sur, sur les questions. Hein. C'est beaucoup les questions qui reviennent, comme je disais tout à l'heure. Et voilà. Merci encore. J'espère que vous kiffez ce format. N'hésitez pas à vous abonner sur notre YouTube, mettre un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Et puis rendez-vous sur TikTok pour de nouvelles aventures et de nouveaux projets qui vont arriver. Parce que on réfléchit beaucoup. Il y en a là-dedans, il y a des projets qui vont arriver. Du coup, voilà la bisou. Merci, on vous aime. Un buen día. Buen día. Os queremos.